Salut tout le monde, c'est Nanin et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 18 de notre let's play sur Chrono Trigger. Moi j'enchaîne, hein, franchement je viens de finir la dernière vidéo et il s'est pas passé grand chose, j'ai pas trouvé le chef, ce qui est assez dommage. Et donc je pense que je vais aller ici, la forêt des dalles. Je voulais pas aller à l'origine parce que des dalles ça veut dire que ça va être un labyrinthe ce truc. Mais que ça se trouve on va y passer la vidéo et même encore plus. Ah d'accord. Je peux passer absolument nulle part. Et il y a un étrange arbre ici, en plein milieu, qui a un skin assez différent du reste du décor. Ok, donc à mon avis, faut que les gens du village m'ouvrent la voie. Sachant que j'ai pas trouvé les chefs sur le terrain de chasse et que oui là c'est la place du village. D'ailleurs, tant qu'il y a les volcans au centre, j'ai l'impression de qu'il n'y ait pas trop de passages pour aller à l'est du continent. Et j'ai pas l'impression que cette forêt là soit une zone. Non, je peux pas trop passer derrière la montagne non plus. Bon allez, aujourd'hui c'est exploration hein. Allez hop. Est-ce que je peux passer par là par contre? Oui. Ça se trouve l'entrée de la forêt elle est là quoi. Non. Je sais pas, ça se trouve il y a un truc caché genre là. Non plus. J'aime bien explorer les maps en disant ouais ça se trouve ils ont caché un truc là mais on dirait que non. On explore, on se balade. Ah voilà des vacances au. Alors je sais plus comment se nomme la période, le Jurassique, je sais plus si c'est le Jurassique. Il semble que Jurassique c'est le dernier. Nidipteran. Wow. Oula. Ça c'est de la jaune dangereuse, je vais essayer de l'esquiver lui, regardez. Espèce de fusion entre une chèvre, un singe et... On dirait le diable en fait. On va pas. On va pas lésigner sur les moyens. Je vais même pas regarder quel dégât on lui avait fait. Ouf. Ça va faire mal ça. Il nous balance des pierres. Même pas regarder combien de vie il avait. 36. Ouf. C'est quoi cette défense? Ah, peut-être que j'élimine les pierres d'abord, hein, parce que... Parce qu'il fait mal, ma parole. Il a... Santana. Ok. Et je vais essayer une attaque physique sur ce truc. Il y a 250 de vie. Oh putain, il va commencer à nous attaquer. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah. Merde, j'ai soutenu les mauvaises cibles. Ah. Ouf, j'ai pas vu la vie de chrono. Oh là là. Je sais toujours pas comment on fuit un combat. Hein. Ah, c'est mort. Avec chrono qui a été touché. Ces ennemis sont beaucoup trop forts, c'est au niveau d'un boss ça. Zéro. Ah il est insensible au feu, d'accord. Ça nous arrange bien. J'ai pas vu à quel point. Mais vas-y, surtout spam pas hein. S'il est insensible au feu, peut-être que la glace fera plus de dégâts. Bon, on saura plus jamais.
un peu de feu sur lui. 120, ça lui fait mal. On prend cher, on prend cher. Ok, on va achever le truc en bas pour qu'il arrête de spammer les boules de feu, hein. Non mais oh. Zéro. Comment ça, zéro? À ce rythme-là, je vais épuiser mes potions. J'avais pas un stock extraordinaire, mais j'étais pas à court non plus, hein. Est-ce que les attaques physiques font plus de... 124, ouais, les attaques physiques ont l'air de faire plus mal. Et ben voilà. Bon, encore la mauvaise touche. Il en donne combien? 10? C'est quelqu'un qui a moins... Non. Ok. Oh, j'en ai plus. Oh mon dieu. Là. Eh ben non. C'était une feinte, ils m'ont feinté. Oh mon dieu. Voilà, et puis on va essayer les attaques physiques. 327, encore une fois, et c'est le sac à PV, hein. Voir des ennemis qui sont 61. Oh la vache, ils font mal. Et bah encore une fois, hein. Ok, ça va le faire. Voilà. Ah, j'ai plume et encore un level. Bon bah au moins je farm. Mais par contre... Oh. Généralement ce que j'ai la possibilité, je mets le menu sur l'autre touche en fait. Oulala. Ouais, bon, je référerai à ça tout à l'heure, mais... J'ai rien vu de l'autre côté, en fait. Ok, bon, bah... y'a rien. Absolument rien, on a visité toutes les zones et il n'y avait rien. Donc, à mon avis, c'est quelque chose du genre que tant que l'histoire vous a pas emmené ici, il y a un événement qui passe dépoché, ça doit être le chef. On peut pas rencontrer le chef parce que c'est trop tôt. Donc ça sert à rien de venir ici. Mais au moins on a exploré, hein. Donc donc il y a un autre endroit où je voudrais aller. Ça passe pas.
Voilà. Et le reste, on peut se le faire en attaque normale. Ou pas. Je pensais que ça aurait fait un peu plus de dégâts quand même. Ok. Ok, on a gagné quand même quelques levels. Eh ben non. Dernière fois, j'ai réussi à passer. Sauf que là, oh là là. Ah, eh oui, je peux toucher les trois. Là, c'est... Est-ce que le lance-flamme peut aussi toucher les trois? Non, bon bah voilà. Alors fait pas très mal, mais au moins je touche les trois en même temps, c'est bien. Que je fasse gaffe quand même, parce que... Ah. Ah, je suis bête, j'aurais dû faire plein de PV au village. Et c'est parti! Oui, on saute. Oui! Désolé. Bon, avant toute chose, on fait le plein. C'est ici. Je vais sauvegarder vite fait. Ok, alors, non, justement, c'est donc ici que je veux retourner. Parce que souvenez-vous, il y a un endroit où j'avais pas trop exploré, il me semble que c'est les égouts. C'est un peu loin. Ah oui, c'est là. Salut. On va faire la course à chaque fois. Bon bah, si tu veux, hein, moi je veux juste passer, hein. Ok, mais vous savez, moi je veux juste passer, hein. Ah là là là. Tu veux passer, il faut une course. Oh, je vous jure. Ouais, bon, on a déjà vu ça, la flemme. Et voilà, donc c'était les égouts, je crois que c'était ici. Voilà, ancien égout. Il me semble que j'étais venu vite fait, mais j'avais pas exploré de fond en comble. Ça, j'avais regardé.
J'étais même pas venu jusque là. Il y avait un pont ici. Je l'ai vu, Kello. C'est vrai. Je le jure, Kello, Kello. Ne mens pas, Gello. Bon sang, il n'y a rien ici, Gello. Mais c'est pourtant la vérité, Kello. Quelqu'un approche. On se barre, Gello, Gello. Ok, donc des grenouilles, hein, on s'y attendait pas du tout. Donc il y avait un pont apparemment, mais il n'y en a plus. Qu'est-ce qu'il y a? Cet endroit me fait comme, qui dirait, froid dans le dos. Quel endroit sinistre. J'ai comme un mauvais pressentiment. Ok, tu es en train de me dire que je devrais pas être là? Petit chaton, c'est tellement évident que c'est un piège, ça me surprend même pas en fait. ouais, sauf que maintenant j'ai la foudre, la glace. Ouais, peut-être un peu exagéré. Je crois qu'on a un peu trop level pour cette zone maintenant, surtout avec la magie, puisqu'on n'est pas censé l'avoir à ce moment là je crois. L'expérience gagnée est beaucoup moindre. Par contre, je me souviens pas avoir gagné de l'argent la dernière fois. À la préhistoire. Mais ça a une gag. Entre 38 et je leur fais. Ok. Bon, on va essayer d'économiser un peu la magie pour une fois. Ok, un combat pas très intéressant. Ils ont plus de défense quand ils sont immergés dans l'eau ou quoi? Bon, on va l'achever. Voilà. Je me ferai pas avoir, hein. Un point de sauvegarde. Ah, c'est un oh. Ah, par contre là, alors là je me fais avoir un faux point de sauvegarde. Hein, eux aussi utilisent la foudre. Vous allez me le payer. Ils utilisent la foudre, mais ils sont très sensibles à la foudre. C'est marrant ça. Quand vous en avez soigné. Chrono est un peu faible. Ils font pas très très mal quand même. Et quand ils s'immergent dans l'eau, j'ai l'impression qu'ils prennent moins de dégâts. Je sais pas si c'est vrai. J'ai l'impression qu'ils sont tout le temps immergés en fait. Ça, ça va être bon, voilà. Ok, donc c'est un faux point de sauvegarde. Ça c'est fourbe. J'ai pas emprunté un chemin et me rendre compte que ça continue. Des œufs. 160, puis on a que 2. Je vais même pas avoir besoin d'utiliser de la magie à mon avis. Là. Bon. Encore un pont détruit. Hmm.
Décidément, il manque des... Ah! On est de l'autre côté du pont. Un cul-de-sac. Ok, très bien, on est de l'autre côté du pont, mais on est dans un cul-de-sac, ok. D'accord. Une note. Faut trouver un journal. Il y a quelque chose d'écrit sur la dernière page. Je n'en peux plus. Si je fais le moindre bruit, je me fais attaquer par les hommes poissons. Je ne le supporte plus. Si j'avais su que cela se passerait ainsi, j'aurais encore préféré être guillotiné. Je vais en finir et crier. Très bien. Donc j'ai réussi à trouver de l'autre côté de ce pont, ça m'a pas aidé. Il y a des œufs, mais c'est obligatoirement un cul de sac. Voilà. Je me fais attaquer même maintenant, hein. Je peux pas en toucher deux avec un citron. Non, bon bah, foudre sur lui. Et les œufs, on peut se les faire à la main. Je pense que je vais peut-être trop vite faire un tour pour voir si j'aurais pas loupé quelque chose, mais... Parce qu'en effet... Avec les ponts coupés, je peux pas faire grand chose. À moins que... Je peux pas aller genre sur le côté là? Non. Ils ont le pop. Voyez les enfants, voici ce qui se passe si vous laissez les œufs dépasser leur date de péremption. Donc un pont de cassé, je veux pas y aller. Ah bah voilà, je pouvais passer par là. Je me dis bien que c'était bizarre. C'est bien. Allez. Ah d'accord, je comprends mieux. Il me semble que si on appuie sur ce bouton, le pont se déploie, Kello. Mais alors, qu'est-ce que tu attends, Kello? Appuie sur ce bouton, Kello. Il est trop petit. Kello! Le bouton est trop haut pour moi, je n'arrive pas à l'atteindre, Kello. Es-tu prêt à être une grenouille, Kello? T'as qu'un approche, on se barre, Kello. Au cas où ceux qui ne sauraient pas, en fait, c'est pas qu'il s'appelle Kello ou Kello, hein. C'est que c'est l'onomatopée pour les grenouilles. Et que les japonais aiment bien ajouter des onomatopées en fin de phrase. C'est comme ça, je cherchais pas. Bracelet rage. Ouf, c'est quoi cette fois? Qui? Trois intrus approchent, qui?
Ces trois types sont terriblement imprudents de s'aventurer ainsi dans cet égout. Je vais leur faire prendre conscience de la terreur qui règne ici. Qui ? Ils vont nous le payer ! Qui ? S'ils osent venir jusqu'ici, je leur ferai ça. Et puis, après ça, et puis, je les réduirai en poussière. Ya ha 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 ha. Ya ha 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 ha. Gikia kia 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 kia. Ils en ont fini avec leur rire. Kou kia 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 kia. C'est bon, ils ont fini de rire. Ah, ça y est, ils nous remarquent enfin. Hein? Ok, bah... ça a l'air d'être un mini-boss, alors... voilà. Ouf, mais il va one-shot, le con. J'ai même pas regardé combien de vie il avait. Alors, objet, potion top, chrono. J'ai même... objet... c'est l'eau d'Athéna, c'est ça? Potion top, chrono. Et combien de vie? Je n'en sais rien. J'aime pas ça quand je vois pas cette vie, ça... comme... c'est comme le boss tout à l'heure, je peux pas voir la vie des boss apparemment. Et ça, ça m'inquiète. Est-ce qu'il est mort? Ah ouais, ok. Mais la vache! J'ai un peu galéré quand même, hein. Je pense que j'ai eu raison de pas venir la première fois, hein. J'aurais tellement galéré comme un porc. Bon, maintenant je pourrais faire une petite expérience. Putain, déjà 30 minutes de vidéo, j'ai même pas fait gaffe. Oh là là. Technique. Voilà. Comme j'ai la flopée des terres. Bon. On va s'arrêter là. Mais comme il n'y a pas de sauvegarde, je vais être obligé d'enchaîner après. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.